Tous les jours, il lit les journaux qui lui rapportent tant de malheurs à l'échelle planétaire. Puis au café du coin, il règle tous les problèmes du monde avec sa langue, bien entendu. Il a les solutions à toutes les misères. Avec ses grands bras, il se pète les bretelles pour dire aux gouvernants et au gouvernement ce qu'il devrait faire ou ne pas faire. Mais quand une pauvre dame entre au restaurant ou ose lui demander de lui payer un café, il houspète et l'envoie promener au plus vite. Gros parleur, petit faiseur, prière de s'abstenir. Gros faiseur, petit parleur, prière d'intervenir. N'essayez pas de sauver le monde. Aidez plutôt un ami. Bon matin, mesdames, messieurs. À la mise en onde de Junie Limage, au microphone le pasteur Jean-Fils Aimé. Comment allez-vous ce matin, hein? C'est presque déjà la dernière semaine du mois de janvier, hein? Que le temps passe vite. Que le temps passe vite, les amis. Comment avez-vous passé la semaine, vous, hein? Une bonne semaine, hein? Une semaine d'hiver en bonne et due forme. Ça veut dire avec son lot de neige, son lot de froid, etc. Mais nous nous y habituons tranquillement, hein, puisque l'automne est résolument derrière nous. Nous faisons déjà un clin d'œil vers le mois de février. Ça veut dire que nous sommes presque rendus à la moitié de la saison hivernale, hein. C'est comme ça qu'il faut calculer les choses, hein. Toujours regarder le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Sinon, avez-vous bien dormi? Hein? Bon. Quelqu'un m'a déjà dit, c'était un vieux prof, quand vous n'arrivez pas à dormir, eh bien, profitez-en pour prier ou bien pour faire autre chose. Hein? Bon, sans réveiller les autres, bien entendu, puisque nous connaissons tous nos moments d'insomnie, plutôt que de nous efforcer. Hein, c'est la seule chose, j'ai l'impression qu'on ne puisse pas commander, hein. Avec l'amour, je devrais dire. L'amour ne se commande pas non plus, il se recommande. Mais quand vous n'arrivez pas à dormir, avez-vous réalisé que plus vous vous efforcez de vous endormir, plus le soleil fuit vos yeux? Alors moi, quand je n'arrive pas à dormir, je prends la chose avec philosophie. J'en profite pour lire ou pour écrire, et en m'épuisant ainsi, eh bien le sommeil vient. Alors, comme promis, nous avons l'intention de commencer aujourd'hui une série d'études bibliques. Hein? Voilà, une série d'études bibliques. La semaine dernière, c'était une reprise et j'ai un ami qui m'a écrit pour me dire: pasteur, je suis fâché contre vous parce que j'ai invité des gens à suivre l'étude biblique parce qu'on a tellement soif de cela, et puis je me suis rendu compte que ben c'était une autre émission. Eh bien, vous savez, moi aussi parfois je suis malade, hein? Ou alors j'ai un contretemps, je peux pas venir. Et mais on se donne quand même des signes, on se donne des nouvelles, etc. Je ne vous laisse pas orphelin. Donc nous allons commencer aujourd'hui une série d'études bibliques, aussi théologiques. Et comme je vous l'avais dit, si on veut faire la chose de manière méthodique, si on veut adopter une bonne méthode, il nous faut commencer par voir ensemble la Bible. Qu'est-ce que la Bible? D'où vient-elle, hein? La Bible est-elle la parole de Dieu? Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que la Bible nous concerne à nous? Ça veut dire tous les humains, généralement quelconque. Alors, vous aurez remarqué que ce sont des thèmes qui concernent tout le monde. Je vais donc vous inviter à inviter votre chum, à inviter votre blonde, à inviter les enfants,
à inviter des amis à suivre cette série. Je crois que c'est une série qui va être utile. Je vous dirai, après cette pause musicale, quelle intention m'anime dans cette série d'études bibliques pour qu'on soit clair quant à mon positionnement. Et je suis sûr, encore une fois, sans prétention, que au fil des semaines, au fil des mois, parce que je prévois y consacrer toute l'année, peut-être même au-delà de l'année, donc une série d'études sur la Bible, sur les thèmes qui concernent la Bible, sur les religions, sur Dieu, etc., sur la doctrine des fins des temps, les anges, etc., mais toujours dans une perspective, on va dire, rigoureuse, ça va ? Pour ne pas dire scientifique, en vérité, c'est un petit peu l'approche que je vais adopter. Alors, je vais vous proposer une pièce musicale, question de vous laisser du temps pour faire une tasse de thé, pour vous offrir une tasse de café, question de vous réveiller vraiment. Et je vais tenter d'y aller lentement pour permettre à ceux qui le désirent de prendre des notes et qu'au terme de chaque émission, nous puissions progresser ensemble. On s'arrête ici, les amis. À bientôt. Alors, je vous avais promis donc une série d'études sur le contenu de la Bible. Hein?
Et Dieu sait que la Bible traite d'à peu près tous les thèmes, directement ou indirectement, qui concernent les êtres humains. Mais de manière méthodique, si on veut y aller de manière structurée, il faut commencer par la Bible elle-même. D'où vient la Bible ? Vous notez que le mot « Bible », en français, dérive du latin, le latin de la Vulgate. Vous savez que l'une des premières traductions de la Bible date du 4e, 5e siècle, la version Vulgate, faite ou attribuée à un théologien du nom de Jérôme, Saint Jérôme. Et lui, il a repris un autre mot grec, cette fois-ci, le mot « biblia ». Donc, le mot « Bible » nous vient du grec, mais en passant par le latin, « biblia ». En grec, c'est l'expression « ta biblia » qui signifie « les livres » qui vont être, pour ainsi dire, le titre de cette bibliothèque, parce qu'il s'agit d'une bibliothèque en vérité que nous avons entre les mains. Et donc, cette bibliothèque-là, dans votre cas à vous, il s'agit de 66 livres, mais on n'est pas sûr, c'est beaucoup plus si vous êtes catholique, parce qu'il faut ajouter aux 66 livres des chrétiens évangéliques les livres deutérocanoniques qu'on retrouve dans la Bible catholique. Et pour les juifs, c'est moins que ça, puisque les juifs n'incorporent pas ce que nous, les chrétiens, on appelle le Nouveau Testament. Donc, au fait, quand on dit Bible, on réfère à une formule grecque, ta biblia, qu'on va reprendre en latin, biblia, et qu'on va calquer en français pour que ça donne Bible. Donc le mot Bible dérive du grec ta biblia qui signifie les livres. Bon, il faut toujours commencer comme ça. Il faut toujours se demander mais d'où vient ce titre-là? Parce que le titre va nous permettre de comprendre l'histoire de la Bible. Bon. Généralement, quand on parle de Bible, on voit tout de suite, n'est-ce pas, ces diverses associations qui les distribuent dans les prisons, dans des hôtels. Et effectivement, si vous ne le saviez pas, la Bible est le livre le plus imprimé de toute l'histoire. Non seulement c'est le livre le plus imprimé au monde aujourd'hui, mais c'est le livre imprimé de toute l'histoire, parce que c'est le premier livre imprimé. Vous savez que l'imprimerie telle que nous la pratiquons aujourd'hui, c'est l'invention d'un Allemand du nom de Johann von Gutenberg, Jean de Gutenberg. Et lorsque Gutenberg a inventé l'imprimerie, eh bien le premier livre qui fut imprimé justement, ce fut la Bible. Et on pense qu'aujourd'hui, il y aurait quelque chose comme 6 milliards de Bibles, 6 à 7 milliards de Bibles en circulation. C'est beaucoup. Et par ailleurs, on pense qu'on imprime quelque chose comme 2 à 3 millions de Bibles par année. Donc c'est le livre, non seulement c'est le premier livre imprimé, c'est le livre le plus imprimé. Si donc c'est le, en sorte que c'est le livre le plus répandu. Donc, on a besoin de savoir, mais d'où ça vient ça? Bon, on a vu un petit peu l'étymologie du terme. Dès que vous dites Bible, cela va sans dire, vous référez au livre. Donc, il nous faut rapidement nous rappeler que l'écriture en tant que telle, c'est un phénomène récent dans l'histoire de l'humanité. Aujourd'hui, les scientifiques croient que l'humain, dans son évolution,
Homo sapiens, Homo sapiens sapiens, a une histoire de 3 millions d'années. Tandis que l'écriture date du 4e millénaire, 3e, 4e millénaire avant notre ère. Autant dire que l'écriture aurait quelque chose comme 6000 ans d'histoire. Et pourquoi je prends toutes ces précautions-là? C'est pour que vous puissiez comprendre ce qu'on sous-entend par Bible, parole de Dieu. C'est pour qu'après vous puissiez aussi vous faire une idée plus ou moins complète de l'histoire de la Bible en tant que telle. Ça va? Bon. Alors, comprenons-nous bien. Dès que vous ouvrez la Bible, le premier livre de la Bible, le mot même le dit, le mot Genèse, hein, le mot Genèse, Genesis, en grec, signifie début, signifie commencement. Donc le premier livre de la Bible se propose de vous dire comment l'univers a commencé, comment tout a commencé dans le monde ou dans les mondes. Et là, la tradition nous dit que c'est Moïse qui l'a écrit. D'entrée de jeu, vous pouvez comprendre que si Moïse aurait vécu au 10e siècle ou au 12e siècle, les plus croyants pensent que Moïse aurait vécu même au 13e siècle avant notre ère, vous comprendrez tout de suite que ça ne peut pas être Moïse, pour une raison bien simple, parce que si le Moïse dont nous parle la Bible a vraiment existé, il aurait existé au 10e, 12e siècle, donc Moïse a existé avant même que l'écriture n'ait été inventée. Donc Moïse ne peut pas avoir écrit ce qui est dans les 5 premiers livres de la Bible, ce qu'on appelle le Pentateuque, parce que tout simplement, ce Moïse-là a existé en un temps où l'écriture n'existait pas encore. Est-ce que vous me suivez jusque-là? Donc il nous faut rapidement expliquer la Bible selon l'histoire vraie. Et donc, je ne vais pas m'intéresser à l'histoire religieuse, ce qu'on a voulu qu'elle soit, non. Donc, c'est pour ça que j'ai pris le temps de dire, mais l'écriture date du 3e, 4e millénaire avant le Christ. Et puisque nous sommes donc au 21e siècle, hein, donc nous sommes au début du 3e millénaire après le Christ. Donc l'écriture en tant que telle est vieille de 6000 ans, on va le dire ainsi. Et donc tout ce qui se faisait avant ne s'écrivait pas, puisque l'écriture n'était pas inventée. Donc, quand la Bible nous présente l'histoire de Moïse qui aurait vécu avant le 3e ou le 4e millénaire, on ne peut pas me dire du coup que c'est Moïse qui a écrit ça, parce que au moment où ce Moïse-là vivait, si tant est qu'il ait vraiment existé, il se peut que ce soit un personnage mythique, un personnage imaginaire, etc., eh bien, ce Moïse-là, en tout cas, n'aurait pas pu écrire les 5 livres de la Bible, puisqu'au moment où il aurait vécu, l'écriture n'existait pas encore. Alors, mais d'où vient la Bible? Alors, ce que vous devez comprendre rapidement, c'est que ce que nous appelons Bible est un ensemble de livres disparates. Un ensemble de textes qui reflètent toutes sortes de croyances du peuple juif. Ça, c'est important de le dire. Dès que vous ouvrez la Bible, hein, rapidement, vous vous rendez compte que c'est un texte qui contient des croyances d'un peuple particulier, même si ce peuple-là était en contact avec d'autres peuples, mais il s'agit d'un texte qui est écrit pour un peuple, pour sauvegarder les croyances et les traditions de ce peuple-là. Tous les peuples du monde, tous les peuples de la terre ont des croyances, ils ont des traditions. Et à un moment donné, chaque peuple, n'est-ce pas, se sent dans l'obligation de protéger ses traditions, de protéger ses croyances. Eh bien, il en est ainsi pour le peuple juif. Et tout le phénomène qu'on va appeler Bible, c'est-à-dire tradition
écrite des croyances du peuple juif va être mise par écrit, écoutez bien, à partir du 6e siècle avant notre ère. Est-ce que vous me suivez là? Ça veut dire dans les années 500 avant notre ère. Que s'est-il passé dans les années 500 avant notre ère? Le peuple juif, les Hébreux, qui existent encore aujourd'hui, étaient amenés en captivité par des peuples ou des peuplades plus fortes que lui. Et là, on parle des Babyloniens, les ancêtres des Irakiens. Vous savez, l'animosité ou l'inimitié qui existe aujourd'hui entre les Juifs et les Iraniens. Hein. Les Iraniens, ce sont les descendants des Perses qui, eux aussi, ont contrôlé, ont occupé le territoire juif, les Irakiens, les Babyloniens. Eh bien, il y a toujours eu animosité ou inimitié entre le peuple juif et le peuple irakien, les Babyloniens d'autrefois, le peuple juif et les Perses, donc les Iraniens d'aujourd'hui. Et historiquement, les Irakiens, les Babyloniens, historiquement, les Perses, les Iraniens étaient militairement plus forts que le peuple juif. C'est ainsi donc qu'au VIe siècle, les Babyloniens sont entrés sur le territoire des Juifs. Ils ont fait la guerre contre les Hébreux, les Juifs. Ils ont remporté la victoire sur eux. Et comme butin de guerre, ils ont occupé leur territoire et ils ont déporté le peuple juif dans leur territoire à eux, à Babylone. Imaginez les Juifs qui sont déportés dans un autre pays, dans un autre territoire, s'exposant à une autre culture, à d'autres religions, à d'autres croyances. Très rapidement, les élites du peuple juif ont compris la nécessité de protéger leurs croyances, de protéger leurs traditions, de protéger leurs rituels religieux, leur culture, quoi, contre la culture du peuple envahisseur, contre la culture du peuple occupant, à savoir les Babyloniens, les ancêtres, n'est-ce pas, des Irakiens. Et qu'est-ce qu'ils ont fait, les bien-pensants du peuple juif? Ils ont dit, tiens, nous avons une religion qui est différente de la religion des occupants, à savoir les Babyloniens. Nous avons des croyances qui sont différentes des croyances du peuple babylonien. Nous avons une culture qui est différente de la culture, n'est-ce pas, du peuple occupant, à savoir les Babyloniens. Nous devons tout de suite mettre par écrit nos croyances, mettre par écrit nos traditions, mettre par écrit notre culture pour la sauvegarde de cette culture, pour sa survie et surtout pour empêcher que cette culture ne soit assimilée à celle des Babyloniens, à celle de l'occupant. Et quelle est donc la meilleure façon de protéger une culture? C'est de s'assurer que cette culture-là s'inscrit dans des livres, s'inscrit dans des lettres. C'est ainsi donc que très rapidement, à partir du VIe siècle, les bien-pensants, les élites juives qui furent amenées en captivité à Babylone vont se donner pour devoir de rassembler, de mettre par écrit, n'est-ce pas, à la main, puisqu'il n'y avait pas encore l'imprimerie. Ça, l'imprimerie va arriver en 1450 au XVe siècle, n'est-ce pas? Donc très rapidement, plus tard. Donc, eh bien, les élites vont mettre par écrit dans des manuscrits, ce qu'on appelle des manuscrits, ce qu'on appelle des codex, n'est-ce pas, les croyances juives sur Dieu, les croyances juives sur la création, les croyances juives sur le sabbat, les croyances juives sur, par exemple, la circoncision. Donc, quand vous lisez la Bible, quand vous ouvrez la Bible, la première des choses que vous devez vous dire, la Bible, c'est une tentative par les bien-pensants d'un certain peuple, le peuple juif en l'occurrence, de protéger la culture de ce peuple-là contre l'assimilation d'une autre culture d'occupation qui était la culture
irakienne, la culture babylonienne et plus tard la culture médo-persane, c'est-à-dire la culture persane. Mais malgré cette tentative-là, pour ceux qui, comme moi, sont formés en histoire, pour ceux qui, comme moi, ont fait d'études théologiques sérieuses, vous notez que dans la Bible, vous retrouvez quand même la trace de ces cultures assimilatrices. Par exemple, la circoncision n'est pas une institution juive à proprement parler. Voilà pourquoi on retrouve la circoncision chez d'autres peuples, n'est-ce pas, du Moyen-Orient, chez d'autres peuples du Proche-Orient. Et les historiens pensent que la circoncision a été empruntée par les Juifs au peuple égyptien. Ça va ? C'est ainsi, par exemple, qu'une institution comme le sabbat, hein, qui est tellement importante pour le peuple juif, eh bien, historiquement, le sabbat est une institution qui a été empruntée justement aux Babyloniens. Donc, malgré cette tentative des bien-pensants juifs de protéger la culture juive contre des éléments de la culture assimilatrice, eh bien, on y retrouve quand même certains éléments. Mais notez, quand vous dites Bible, vous parlez d'un ensemble de livres rédigés par des érudits juifs au VIe siècle pour protéger les croyances, les traditions juives contre une culture assimilatrice. Donc fondamentalement, la Bible est un livre juif et il garde ce livre-là son caractère juif. Évidemment, lorsqu'on va parler du Nouveau Testament, la réalité va être légèrement différente, mais pas de trop. Mais pour l'Ancien Testament, c'est de cela. Combien y avait-il de livres au VIe siècle qu'on pouvait appeler Bible ? Eh bien, autant de livres qui s'écrivaient et qui avaient pour but de sauvegarder la culture juive. Par exemple, il existe donc plusieurs corpus religieux dans la tradition juive. Par exemple, de nos jours, lorsque le juif réfère à la Bible, il réfère essentiellement aux saints livres qu'on appelle les saints livres de Moïse, la Torah. Il réfère ensuite à d'autres types de livres qu'on appelle les prophètes Ésaïe, Amos, Jérémie et d'autres. Et enfin, les autres écrits qu'on appelle les Ketuvim. D'ailleurs, le mot Ketuvim signifie justement les écrits. Mais il n'y a pas que ça. Puisque justement, il y avait d'autres livres qui au VIe siècle circulaient, que certains acceptaient comme protégeant la culture juive, mais que d'autres n'acceptaient pas parce qu'ils disaient, écoutez, ces livres-là reflètent plus la culture du peuple babylonien que notre propre culture à nous, on va les mettre de côté. En sorte que, dès le VIe siècle déjà, se posait la question de quels livres devrions-nous accepter comme devant faire partie du corpus de livres qui vise à protéger notre culture contre d'autres cultures. Écoutez bien, et vous allez comprendre d'où vient le concept de parole de Dieu. Tel savant a écrit un livre pour expliquer le commencement du monde, tel autre a écrit un livre pour expliquer l'origine du sabbat, tel autre a écrit un livre pour expliquer l'origine de la circoncision, tel autre a écrit un livre pour dire, écoutez, notre ancêtre Abraham a adoré tel Dieu, etc. Donc c'est tel Dieu que nous devons continuer à adorer. Et à un moment donné, dans ce chaos de livres, il fallait mettre un peu d'ordre. Écoutez bien, savez-vous en quelle année on va se réunir pour mettre de l'ordre dans tout ça? Parce qu'il y avait tant de livres qu'on pouvait considérer comme de livres sacrés qu'à un moment donné, des théologiens, ce qu'on appelle des rabbins, des docteurs de la loi, se sont réunis en l'an 90 de notre ère, dans une petite ville qu'on appelle Jamnia. Et c'est en l'an 90,
premier siècle-là, que des érudits, des rabbins, des docteurs de la loi juifs se sont réunis dans une ville qu'on appelle Jamnia pour dire « Désormais, voici quel livre que nous allons considérer comme faisant autorité pour notre foi et voilà tel autre livre que nous ne considérerons pas comme faisant autorité pour notre foi. » Écoutez bien. Alors, pour accepter ou rejeter un livre, il fallait trouver un seul argument. Est-ce que ce livre-là représente la parole de Dieu pour nous? Alors, dès qu'un livre est accepté, on va donc lui conférer le statut de parole de Dieu. Donc, ce qui est écrit dans ce livre-là est absolu parce que c'est la parole de Dieu pour nous. Quant aux autres livres, nous ne les considérerons pas comme parole de Dieu, mais ils peuvent être utiles à toutes sortes de choses. C'est ainsi, par exemple, que dans la tradition juive, il y a une série de pratiques qu'on rassemble dans une encyclopédie qu'on appelle Talmud. Le Talmud, c'est un ensemble de plusieurs dizaines de livres que j'ai à la maison, encyclopédies dans lesquelles on retrouve toutes les pratiques, toutes les traditions juives, etc. On dit, ben, ces traditions-là sont utiles, mais ce ne sont pas des paroles de Dieu pour nous. La parole de Dieu pour nous, ce sont ces livres-là que nous mettons à part en l'an 90, dans une ville qu'on appelle Jamnia, et on dit, ces livres-là sont la parole de Dieu pour nous. Premier critère. Mais pour que ces livres-là soient considérés comme parole de Dieu pour nous, il faut bien qu'on leur donne une ancienneté. Parce que plus un livre est ancien, plus d'autorité il a. Et si on peut, n'est-ce pas, attribuer la paternité de ce livre-là à un personnage qui vient des anciens temps, eh bien, ce livre-là va avoir encore plus de respect aux yeux du lecteur. C'est ainsi donc qu'on va attribuer la paternité des cinq premiers livres de la Bible à un certain Moïse, un ancêtre historique ou imaginaire. Et on va dire, ce livre-là, il est parole de Dieu pour nous parce qu'il a été écrit par Moïse. Et je vous ai dit que c'est impossible parce que si Moïse a vécu au 10e ou 7e ou 8e millénaire avant le Christ, il ne saurait avoir écrit le livre puisque, ou les livres, puisque l'écriture, n'est-ce pas, date du 4e millénaire, 3e, 4e millénaire avant notre ère. Donc, l'idée de se réunir pour décider parmi tous les livres qui existaient et qui se donnaient pour mission de protéger les traditions juives, de protéger, n'est-ce pas, les croyances juives contre l'assimilation babylonienne, eh bien, cette rencontre-là a eu lieu seulement en 90 dans une ville de Jamnia pour mettre de l'ordre dans tous les livres qui existaient dans la tradition juive. Et cela à partir du 6e siècle. J'ai apporté en studio quelques exemplaires de livres qu'on a mis de côté comme n'étant pas parole de Dieu, mais qui en réalité font partie de la Bible. À la fin des années 80, lorsque je suis arrivé ici et que je suis entré au séminaire, j'ai eu un ami prêtre dominicain qui était beaucoup plus âgé que moi et qui est mort maintenant. Un beau jour, il m'a appelé. Bon, on parlait de théologie, lui-même était professeur au grand séminaire. Et sentant venir sa mort, il m'a légué une partie de sa bibliothèque. Et l'une des séries d'ouvrages que ce père dominicain m'a offert, c'est un précieux document qui n'existe que qu'entre quelques poignées de mains. Ça s'appelle « La Bible de tous les temps ». C'est un livre en 12 tomes qui nous montre quels sont les livres qui ont été considérés comme Bible au Moyen-Âge, quels sont les livres qui ont été considérés comme Bible, par exemple, au 1er siècle, quels sont les livres qui ont été considérés comme Bible à la Renaissance, etc. Et en 12 tomes. En 12 tomes d'une moyenne de 800 pages par tome. Imaginez des livres qui sont mis de côté.
Et lorsque ce père dominicain m'a donné cette documentation-là, il était, pour ainsi dire, très méfiant pour que ça n'aille pas d'autres mains. Depuis, on a édité plusieurs autres livres qui normalement faisaient partie de la Bible, mais qu'on a mis de côté, ces livres-là. Et je vous expliquerai pourquoi dans les semaines à venir. J'ai à la maison, écoutez bien, deux tomes en anglais de livres qui faisaient partie de l'Ancien Testament, mais qu'on a dû mettre de côté. Et chaque tome fait quelque chose comme 1000 pages en anglais. Si ça vous intéresse, le titre c'est dit « Old Testament Pseudepigrapha ». Pseudepigrapha en anglais dérive du grec « pseudepigrapha », ça veut dire des faux écrits. Et dans ces deux tomes-là, qui chacun fait environ 1000 pages, donc on a 2000 pages, on a toutes sortes d'autres livres qui faisaient partie de la Bible juive, mais que, au 4e siècle, les chrétiens ont mis de côté pour toutes sortes de raisons. Mais ces livres-là aussi font partie de la Bible. S'agissant du Nouveau Testament maintenant, j'ai à la maison, et pourquoi je vous dis que c'est en anglais, parce que ceux qui font de la traduction nous disent que le français est une langue beaucoup plus complexe que l'anglais. Donc, quand on doit traduire un livre qui fait 1000 pages en anglais, il faut quasiment doubler le nombre. Donc, puisque mes tomes sont en anglais, je vous ai parlé de quelque chose comme 2000 pages seulement pour l'Ancien Testament. Donc, techniquement, ça fait 4000 pages en français. Maintenant, pour le Nouveau Testament, j'ai une série d'ouvrages dont on traduit une certaine partie qu'on appelle des Bibles oubliées, mais qui existent en anglais. Ça s'appelle New Testament Apocrypha. En français, c'est les apocryphes du Nouveau Testament. Je vous ai dit que ça rassemble tous les autres évangiles qu'on ne retrouve pas dans votre Bible, parce que dans votre Bible, vous n'avez que 4 évangiles. Je vous dirai pourquoi vous n'en avez que 4. Mais moi, à la maison, j'ai au bas mot presque 2000 autres évangiles. Évangile selon Thomas, évangile selon Marie, évangile selon X, selon Y, et blablabla. Et tous ces livres-là, eux aussi font partie de la Bible. Alors, pour l'Ancien Testament, je vous ai dit que ce n'est qu'au 1er siècle, dans une ville qu'on appelle Jamnia, que les érudits juifs vont se réunir pour décider, mais parmi tous ces livres-là qui veulent protéger nos croyances, lesquels allons-nous accepter comme ayant de l'autorité pour notre foi? Ils se sont réunis en l'an 90 dans une ville de la Palestine qu'on appelle Jamnia. Mais quant au Nouveau Testament, il existait aussi, je vous ai dit, des centaines d'autres livres, des centaines d'autres évangiles. Il y en avait tellement que les croyants ne savaient plus à quel saint se vouer. Alors, au 4e siècle, à la demande de l'empereur Constantin, les théologiens, les prêtres, les évêques se sont réunis et ils se sont dit, nous devons choisir parce que là, il y a toutes sortes de croyances, des livres qui disent que Jésus a été marié et qu'il a eu un enfant, ce qui est très probable. D'autres qui disent que non, Jésus n'a pas été marié. Vous notez que les évangiles que nous avons dans la Bible ne le disent pas. Ils font silence sur la question. Alors Constantin a réuni un certain nombre de théologiens. Il leur a dit trancher la chose parce qu'il y a trop de livres qui circulent. Moi, je veux savoir lesquels de ces livres-là sont précieux pour notre foi. Et il y avait un théologien du nom de Irénée de Lyon. Écoutez bien. Il a levé la main, il a dit à l'empereur, de même qu'il existe 4 points cardinaux, le nord, le sud, l'est et l'ouest, moi je crois que nous ne devrions retenir que 4 évangiles. De manière aussi arbitraire, de manière aussi enfantine, de manière aussi stupide et idiote, Irénée a décidé que comme il existe
quatre points cardinaux, le nord, le sud, l'est et l'ouest, eh bien, parmi cette floraison d'évangiles qui existent, et moi je vous ai dit là, j'ai des tonnes d'autres évangiles que vous n'avez pas dans votre Bible, mais que moi j'ai. Je vous ai parlé de la Bible de tous les temps que ce père dominicain m'avait légué, que Dieu est son âme. Je suis sûr qu'il est au ciel pour m'avoir donné ces livres-là. Et il existe donc ces deux tomes-là qui font quoi? Quelque chose comme 2000 pages en anglais, New Testament Apocrypha, qui réunit tous les livres qui circulaient au 1er siècle jusqu'au 4e siècle et qui se réclamaient de la foi chrétienne, mais que Constantin, à l'instigation de Irénée de Lyon, a mis de côté parce qu'il disait, écoutez, de même qu'il y a quatre points cardinaux, il nous faut quatre évangiles. Donc, résumons, le temps file. Quand on parle de Bible, qu'est-ce à dire? La Bible, c'est un ensemble de livres qu'on a commencé à écrire au 6e siècle avant notre ère, lors de l'exil du peuple juif à Babylone, dans le but de protéger les croyances, la tradition et la culture juive contre l'assimilation de la culture de l'occupant babylonien ou irakien. Puisqu'on cherchait à protéger la tradition juive, eh bien, tous ceux qui savaient écrire se mettaient à l'œuvre pour expliquer pourquoi nous pratiquons le sabbat, pour expliquer pourquoi nous pratiquons la circoncision, pour expliquer pourquoi nous croyons en tel Dieu et non pas en tel autre Dieu, pour expliquer par exemple pourquoi nous parlons araméen et non pas la langue des Babyloniens. Et à un moment donné, il y en avait plus de livres que nous en avons aujourd'hui dans notre Bible. La chose a existé comme ça du 6e siècle avant notre ère jusqu'à l'an 90 de notre ère, lorsque des savants juifs se sont réunis dans une ville palestinienne qu'on appelle Jamnia et ils ont tranché que ces livres-là feraient partie de nos livres sacrés. Ils ont dit désormais, puisque ce sont ces livres-là qui sont nos livres sacrés, seuls ces livres-là vont être considérés comme parole de Dieu pour nous. Les autres vont être considérés comme des livres utiles, mais non pas comme parole de Dieu. Et quels critères allons-nous attribuer à ces livres-là pour qu'ils soient respectés? Nous allons projeter, pour ainsi dire, la paternité de ces livres-là à un auteur lointain qui est censé avoir été un grand prophète, Moïse par exemple, et nous allons dire désormais, ces livres-là sont l'œuvre de Moïse. Je vous ai dit que les cinq premiers livres de la Bible ne sont pas écrits par Moïse parce que Moïse a vécu à un moment ou aurait vécu à un moment où l'écriture n'existait pas. Mais un autre argument, parce que vous savez que on dit en français que le diable fait toujours une œuvre qui le trompe. Le Pentateuque, les cinq premiers livres de la Bible ne sauraient être écrits par Moïse pour une raison encore plus simple, parce que dans les cinq premiers livres de la Bible, on parle non seulement de la mort de Moïse, mais également de ses funérailles. Rendez-moi fou ou sage, vous ne pouvez pas prétendre que c'est Jean-Fils Aimé qui écrit tel ou tel livre, quand dans le livre que Jean-Fils Aimé est censé avoir écrit, Jean-Fils Aimé parle de sa mort, de la manière où il a été enterré au passé, et surtout par qui il a été enterré. Donc, soyons un peu plus intelligents que ça, et prenons la Bible pour ce qu'elle est. Quand vous me posez la question de la Bible, pour nous les chrétiens, elle comporte l'Ancien Testament, ça veut dire des livres juifs, et le Nouveau Testament, des livres chrétiens. Et de cela, on va parler la semaine prochaine. Mais pour l'Ancien Testament, ce que nous avons pris la très fichue habitude d'appeler l'Ancien Testament, c'est un ensemble de livres juifs. Ça ne me concerne pas. Est-ce que je peux vous le redire, ça? Quand je lis le livre de la Genèse, quand je lis le livre de l'Exode, quand je lis le livre du prophète Isaïe,
Dans un premier temps, ce ne sont pas des livres qui me concernent, ce sont des livres qui concernent les descendants du peuple juif, parce que c'est des livres qui avaient pour motivation de sauvegarder les croyances, les traditions, la religion et la culture du peuple juif. Moi, aujourd'hui, quand je lis la Bible, je lis la Bible comme je lis, par exemple, un texte, on va dire, de Platon, un texte de Socrate, un texte d'un autre auteur, d'un ancien temps. Je me dis, ok, initialement, ce texte-là ne me concernait pas, mais pour élargir ma culture, pour comprendre comment les gens pensaient autrefois, pour comprendre la culture d'un autre peuple, eh bien, ce livre-là m'est utile. Et honnêtement, c'est comme ça que je le lis. Quand je lis le livre de la Genèse et qu'on me dit que Dieu crée le monde en 7 jours, etc., je dis, tiens, c'est curieux, c'est comme ça qu'on pensait au 6e siècle, mais Dieu merci, on ne pense plus comme ça. Quand on dit dans la Bible que Dieu a créé tout, il y a eu un premier jour, il y a eu un deuxième jour, et puis au 6e jour, Dieu décide, ou au 4e jour, Dieu décide de créer le soleil, etc. Je dis, ah, c'est curieux, comment Dieu peut-il créer un premier jour, un deuxième jour, un troisième jour, et créer les astres seulement après? Donc on se rend compte à quel point c'était ridicule et stupide, mais c'est comme ça qu'on pensait dans un monde pré-scientifique. Quand je lis la Bible comme un livre qui cherche à transmettre et à protéger la culture d'un autre peuple. Et qu'on le veuille ou non, notre culture spécifique de Canadiens, de Québécois, d'Haïtiens, et mettez-en, est influencée par la culture judéo-chrétienne. Donc, d'une certaine manière, quand je lis la Bible, je lis un livre de ma propre culture et je le lis comme tel. Vous me posez la question, mais pasteur, la Bible est-elle la parole de Dieu? À cette question, non, je réponds clairement. Ça n'a pas de sens ce que vous me dites là. La Bible est parole de Dieu, non. Le terme « parole de Dieu » qu'on a attribué à la Bible, on l'a attribué pour lui donner une autorité à ces livres-là. Question de distinguer ces livres-là d'autres livres qui existaient. Donc, fondamentalement, la Bible est un livre juif, écrit par des juifs, pour la préservation de la culture juive. Est-ce que j'ai le droit de le lire? Bien sûr que j'ai le droit de le lire. Et quand je le lis avec l'œil d'un sociologue, je le lis avec l'œil d'un historien, je le lis avec l'œil d'un anthropologue culturel, je le lis, bref, avec l'œil d'un lecteur curieux qui cherche à comprendre comment un autre peuple concevait l'univers, concevait Dieu dans un autre temps. Mais, je suis d'origine haïtienne, si vous me dites, mais, est-ce que la Bible est un livre qui a été écrit pour moi? Ma réponse est non. Ce livre-là n'a rien à voir avec moi. C'est si vrai que vous notez qu'il n'y a rien qui m'horripile le plus, qui me met autant en colère quand je syntonise une radio en Haïti, par exemple. Je vais écouter pour m'amuser Radio Lumière, mais pour m'amuser. Hein. Ou bien je vais écouter, plus souvent qu'autrement, ça me met en colère, Radio Shalom. Ça va? Et puis là, c'est curieux d'entendre en quels termes les Haïtiens parlent de Dieu. Ils vont appeler « Oh, bon Dieu Israël !» Bon, en appelant Dieu le Dieu d'Israël, vous êtes en train de dire que ce n'est pas votre Dieu. En appelant Dieu le Dieu d'Abraham, vous êtes en train de dire « Mais ce Dieu-là n'est pas le vôtre, puisque Abraham n'est pas votre ancêtre. » En appelant Dieu le Dieu d'Isaac et de Jacob, vous êtes en train de dire que « Mais ce n'est pas votre Dieu, puisque en réalité, vous n'êtes pas les descendants imaginaires ou réels de Isaac ou de Jacob. » Dans quelle perspective animez-je cette émission? Dans quelle perspective décidai-je après
13 ans d'existence de cette émission de vous présenter une série d'études bibliques suivies sur la Bible et son contenu, dans une seule perspective. Voyez-vous, à ce micro, je me donne une seule mission, faire la désintoxication religieuse. À un moment donné, il faut s'arrêter et faire le bilan de ce que la religion peut apporter à un peuple comme actif, mais de ce que cette religion-là aussi peut nous enlever comme passif. Et je pense que trop de religions tuent un peuple. Je pense que trop de croyances religieuses abrutissent un peuple. Et nous en sommes là, nous, peuple haïtien. Nous vivons dans une ère, A-I-R-E, dans un espace qui est trop enchanté, où il y a trop de croyances religieuses. Donc, la mentalité haïtienne, l'espace haïtien est intoxiqué de croyances religieuses. Et il faut tranquillement, c'est la mission que je me donne, tranquillement, par des faits de l'histoire, par des faits scientifiques, désintoxiquer notre psyché, désintoxiquer notre mentalité et remettre les choses en ordre. Remettre la religion à sa place. La religion peut être utile, mais elle peut être aussi nuisible. 9 fois sur 10, elle est plus nuisible qu'utile. C'est bien d'avoir des croyances religieuses ou des croyances spirituelles. J'en ai quelques-unes, mais je fais en sorte que ces croyances-là soient gardées sous le contrôle de la raison. Donc, la meilleure façon de procéder à la désintoxication religieuse, c'est de regarder historiquement la Bible, de regarder historiquement son contenu et de nous dire à chaque fois, est-ce que cette croyance-là passe le test de l'histoire? Vous notez que je ne fais pas cette étude-là dans une attitude confessionnelle. Moi, mon but, ce n'est pas que vous croyiez, je m'en fous là, ce n'est pas une église que j'ai là. Je ne veux pas que vous donniez la dîme, etc. Donc, je ne vous rapporte pas n'importe quoi. Mais ce que je vous dis là sur la Bible, c'est la vérité. Ça va? Ça peut vous choquer, ça peut vous mettre en colère contre moi, mais ne tirez pas sur le messager. Le messager ne fait qu'apporter un message. Ce que je vous dis là sur la Bible, c'est vrai. Il existe plus de livres bibliques que vous n'en avez dans votre Bible. Et comment on en est venu à choisir ces livres-là plutôt que d'autres comme étant parole de Dieu? C'est de manière très arbitraire. On s'est réunis pour l'Ancien Testament en 90 dans une île qu'on a, dans une petite ville, village qu'on appelle Jamnia. On a dit, ces livres-là vont être considérés comme la Bible, tandis que moi, je vous ai dit, j'ai plus de 12 tomes d'autres Bibles chez moi. Et quant au Nouveau Testament, on s'est réunis au 4e siècle et on a dit, eh bien, ces 4 évangiles-là vont être considérés comme les 4 évangiles, mais les autres, on s'en fout et on va même les cacher. La semaine prochaine, je vous dirai pourquoi on les a cachés. Ça va? Les amis, ça a été un plaisir et ce n'est qu'un début. Si vous aimez l'émission, tant mieux, parlez-en. Commandez une copie à Juni L'Image pendant les heures ouvrables de la semaine au 514-790-2726. Si vous n'aimez pas, dites-moi pourquoi. Si vous êtes choqué, ce n'est pas mon problème. Mais je vous dis la vérité, d'accord? La vérité peut choquer parfois. Il ne faut pas confondre les rôles. Je suis là pour vous instruire. Si vous êtes choqué, ça fait partie de l'apprentissage. Ça va? On se retrouve la semaine prochaine, les amis. Si Dieu le veut, ça va? Gardez le moral et rappelez-vous que tant que va le moral, tout va. Au revoir.